Allez, il est 7h30. Ohio, les matinaux, Ohio, les amis. On est sur la matinale du Kabuki. Prince of Persia de Lost Crown, un jeu original Ubisoft, qui sort jeudi prochain sur Nintendo Switch. Mais Ubisoft nous fait grâce sur l'eShop et sur toutes les plateformes, apparemment, où le jeu va sortir, d'une démo jouable. Apparemment, il y en a pour 2 heures de jeu. J'ai pas testé sans vous, hein, je l'ai téléchargé hier, je me suis dit bon allez on met ça dans le stream de demain matin, dans la matinale, comme ça on découvre ensemble, full découverte. Alors pour moi c'est sentiment paradoxal, parce que Prince of Persia, bah, c'est un de mes tout premiers jeux PC à l'époque. Vieux PC, hein, on en parle souvent sur le stream de Data. On y jouait, lui-même y jouait de son côté, hein, on se connaissait pas à l'époque. En monochrome, donc c'est à dire qu'en fait le jeu il était monochrome, c'était soit vert et noir, soit moi je jouais en orange et noir, voilà, parce que le PC auquel j'avais accès, l'écran était un monochrome orange et noir, et du coup voilà, donc c'était c'est mes premiers pas, ça fait partie de mes premiers pas dans les jeux vidéo, Prince of Persia, avec Test Drive et d'autres trucs avant et après. Mais ça, c'est un souvenir d'enfance. Donc, ça revient en 2D. C'est tout ça pour dire ça. Hein. J'ai jamais fait les Prince of Persia 3D, par exemple. Ça m'attirait pas trop. Ubisoft, voilà, sentiment partagé, parce que les jeux Ubisoft, en ce moment, c'est pas trop mon kiff. Mais Prince of Persia, quand même, en 2D. Je l'ai aperçu à Paris Games Week. Il avait l'air pas trop mal. Hein. Bon, par contre, j'ai pas fait la queue pour le tester. Et du coup, bah, on essaye ça ensemble. Alors, il y a des dialogues. Ah. Est-ce qu'on se le met en français? Ouais, je sais que vous aimez bien. Et le texte en français. Allez. On va s'écouter les bonnes vieilles voix de Ubisoft. Là, les bons doublages. J'en dirai pas plus. Alors, commencer la partie. Option. Voilà, il nous parle déjà de l'édition Deluxe. Si on appuie sur X, il se passe quoi? On va dans l'eShop? Bien sûr. Bien sûr qu'on va dans l'eShop. Une démo, ça sert à ça aussi. Hein. C'est une vitrine. Alors, est-ce qu'on nous parle de la version Deluxe? Ouais, 60 balles la version Deluxe. 60 balles. Et qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Bah, le jeu et puis des tenues. Voilà. Contenu téléchargeable. Ça serait marrant de télécharger et de l'inclure dans la démo, mais il ne faut pas rêver. La musique a l'air goldée quand même. Hein. Les options, alors sous-titres, arrière-plan des sous-titres, aucun. Sinon, on a quoi? Semi-transparent. Ouais, c'est pas mal ça. Utiliser la police alternative. Calibration, la langue, les contenus promo, ok. On sort de là et puis on va se lancer, hein, si vous êtes prêts et prêtes. C'est parti. Ah, alors, ça c'est la difficulté. Difficulté standard comme d'habitude. Alors cette démo contient des parties du jeu sélectionnées avec des pouvoirs du temps, les éclats d'Atra. Et des amulettes débloquées en avance pour avoir un bon aperçu du gameplay sans dévoiler l'histoire. Dans cette démo, certains passages spécifiques ont été scellés pour offrir une expérience de jeu plus directe. Découvrez et explorez le monde interconnecté du monde CAF dans la version complète du jeu. Alors la carte c'est moins, ok, esquive ZR, parade ZL, ok, attaque à distance, du saut, attaque de mêlée, ok. Potion, fragment de mémoire. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Apparemment, ça parle. Et on est sur Nintendo Switch, bien sûr. L'ancienne citadelle. Anahita a emmené le prince derrière ses portes. Je ne comprends pas dans quel but Anahita a pu faire ça. Je dirais pas du Vanillaware, hein. Sargon, tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses?
Ça n'a aucun sens. Elle a toujours été loyale. Elle veut prendre le pouvoir pour elle seule. Ah, qu'est-ce que tu veux dire ? Le dieu Simorgh a disparu, mais il vivait là, au mont Kaf. Il y est peut-être encore. Depuis toujours, c'est le Simorgh qui nomme les rois et les reines. Anaïta veut sûrement obtenir sa bénédiction. Mais pourquoi enlever le prince Hassan ? Elle en a besoin. Dans le prince Hassan, on ne prononce pas le G. La porte du temple du Simorgh ne s'ouvre que pour les membres de la famille royale. Elle a perdu la raison. Elle n'aura jamais la bénédiction du Simorgh comme ça. Je ne parierai pas là-dessus. Le Simorgh est peut-être affaibli. Une chose est sûre. Le prince Hassan est en danger. Elle le tuera dès qu'elle n'en aura plus besoin. Immortel, allons-y. Nous pouvons prêter main forte à Ardashir et retrouver le prince. Ok, dude. Donc ça, c'est... Attends-moi ici. Ne t'inquiète pas. Sargon. Voilà, et là on joue. Attaque à distance, attaque de mêlée. Esquive. Alors si on fait esquive vers l'avant, c'est glissade. Et si on touche à rien, on part en arrière et il y a la parade. Ok. On peut pas courir, on court déjà peut-être. Ah, il a ses deux sabres là, il blague pas le gars. Pas de double saut. Ça a failli là. Le mont Kaf. Ah non, c'est un poteau. La montagne sacrée. Déjà venu ? Non, mais les écrits parlent. C'était le palais du roi Darius autrefois. Religion, médecine, astrologie, géométrie, algèbre, tout le savoir était ici, accessible à tous. Le mont Kaf abritait l'immense citadelle de la connaissance, fierté de toute la Perse. Et ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Personne n'en est jamais revenu pour le raconter. Et c'est là que le prince Hassan est pris au piège. Difficile de dire ce qui nous y attend. Moi je sais. Des trucs à feuilleter. Ah, on peut sauter sur les murs, magnifique. Est-ce que je peux fighter en saut ? Yes. Ça c'est vers le bas, vers le haut, ok. C'est pas moche du tout, hein. À maintenir B pour sauter plus haut. Ok. Merci pour le follow Marie, bienvenue. Hello, ça va bien et toi ? Matinale, parce que je vois. Je suis guerrière, Sargon, pas mage. Heureuse, ah d'accord. Bah, parfait. Figée en pleine chute. Comme si le temps s'était arrêté. Heureuse pourquoi la sortie de Prince of Persia ? Rien n'obéit aux lois de la nature ici. J'ai confiance. Kaïs et Leila m'accompagnent. Tes épées ? Oui. Elles ne m'ont jamais trahi. Allez, c'est parti. Ah, d'accord.
Et du coup, tu viens partager ton bonheur avec nous. C'est sympa. Alors... On découvre Prince of Persia. Hein. Soyez vigilants. Le prince Hassan ne doit plus être loin. Cet endroit ne me dit rien. Nous devrions rester prudents. T'as raison, Ménolias. Va vite te trouver un trou et planque-toi comme un cloporte. Je ne plaisante pas, Orod. Je ressens une présence bizarre. Oui, je le sens aussi. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Allons-y! Et du coup, Marie, c'est des humains que t'as adoptés ou des animaux? Quand tu dis deux filles. C'est le corps d'Azad, un soldat d'Ardashir. Ses chairs sont putréfiées depuis longtemps. C'est impossible. Ils sont partis juste avant nous. Ambiance maléfique. Nous ne sommes pas les bienvenus. Soyez sur vos gardes. Retrouvons le prince et Anaïta. Allons vers l'est. Non, je ne crois pas. Tu vas me faire perdre mon temps. Débrouille-toi tout seul. Ok. Coucou Odstana, comment ça va? Bonne année, bonne santé. Ah, il sort jeudi prochain le jeu. Et il y a la démo jouable sur toutes les plateformes. Là, c'est ce qu'on fait, la démo. Ah, il faut que je baisse un peu le son chez moi parce que... Dans sa gueule, ça ressort dans le micro. Allez, premier combat. Quoi, on peut charger? J'ai tenté dans le doute. J'ai pas eu la réponse, j'ai mon réveil qui sonne. Ah, il sort jeudi prochain, Odstana. Et il y a la démo jouable depuis hier soir ou hier après-midi sur toutes les plateformes où le jeu va sortir. Et là, on est sur Nintendo Switch. Oulala, oulala, oulala. Du coup, tu te réveilles avant ton réveil ou c'est la deuxième sonnerie? Au cas où tu traînes. Ah oui, ZR pour esquiver. Oui, on va faire de l'esquive. Pardon. Franchement, il est plutôt maniable. L'ambiance est pas mal. Après, il faudra voir l'histoire et si c'est pas trop répétitif. Ah oui, je dois esquiver ou parer. Bah... J'appuie sur ZL, les gars, il se passe quoi là? Game over direct. Deux coups, hein. Deux coups, game over. Alors que j'appuie sur la parade. C'est pas grave. Voilà, j'esquive. Non, j'ai pas esquivé, j'ai glissé. On va ramasser ça, dans le doute. Hey, coucou! Saku, comment ça va? On se fait un petit test de la démo de Prince of Persia, là. Sur Nintendo Switch, on découvre. Alors, je crois que ça, c'est bloqué. Donc, ils nous ont expliqué au début de la démo qu'on commence pas au début du jeu. Hein. Ils nous mettent quelques parties du jeu sans dévoiler l'histoire pour voir un petit peu le gameplay. Ah oui, je voulais tester ça. Donc quand on est sur une plateforme, vers le bas, si on saute,
On traverse la plateforme. Ah, ça c'est classique dans les Metroidvania. Tu avais le Squeezie a fait polémique pour de... Non. Non, Saku, en fait... Comment t'expliquer? Je suis pas du tout les gros streamers. Et même... parfois tu vas me donner le nom d'un gars connu. J'ai même pas sa tête en visu. En fait, je m'ennuie sur les gros streams. Je peux pas parler aux gens vraiment, tu vois, c'est... C'est pas mon trip en fait. Du coup, c'est une polémique à propos de Prince of Persia ou rien à voir? Ah, il faut que je fasse de la parade. Alors même quand je... Ah ouais, c'est parce qu'il me fait une super attaque. Ah voilà, c'est bon. Plus il y a un second degré en vidéo et les mecs ont cru que... Ah oui, d'accord. Bon, en plus, voilà, tu vois. Souvent, il y a une partie du public de ces mecs-là. Même si tu veux parler avec eux en chat, tu peux pas parler aux gars, tu vois. C'est un peu limité, quoi. On va dire intellectuellement. Hey, salut Tio Rob! Ok, ouais, donc il a fait sa petite émission et il y a eu polémique, quoi. Et ouais, c'est... On n'a pas les mêmes problèmes avec ces mecs-là, je te le dis, moi. Ah, voilà, ça, c'est du Prince of Persia. Ah ouais, sympa, les pics. Fait plaisir. Donc, c'est l'autre mur sur lequel il faut sauter, hein. Voilà, comme ça, et comme ça. On prend une petite potion. Comment il va le Perturob et Saku, comment ça va? Et puis Otstana, j'espère que ça va bien aussi. Hein. C'est vendredi les amis. Je sais pas si pour vous ça veut dire week-end, ou si c'est un jour comme les autres. Mais pour moi c'est week-end, et ça c'est cool. Week-end ce soir, bien sûr. Bah écoute, ça va bien, c'est vendredi, tu sais que moi ça va toujours bien le vendredi. Ici il y avait rien. Il y a quelque chose là. On va quand même regarder là. Bah Mpec si ça va Mpec. Alors, puissant Simorgue, oiseau de la connaissance, le Simorgue détient la clé de toute vérité. Il est le gardien du temps, des destinées, il veille sur l'équilibre de toutes choses. Dans ses plumes réside le pouvoir infini. Son vol protecteur amène la paix et la prospérité sur la Perse. Celui qui a la chance d'être touché par son ombre est protégé à jamais des forces du mal. Et le malheur s'abattra sur celui ou celle qui lui portera atteinte. Que les poètes chantent ses exploits, que les philosophes méditent ses enseignements. Que les guerriers acquièrent sa sagesse. Ok, c'est très verbeux, hein. C'est très Ubisoft. On venait de là, pardon. Hop. Quoique non. Ah oui, non, c'est un raccourci. D'accord, on a fait le tour par en haut. La fête avec la manivelle, on peut revenir là. Ok, il y avait une carte, ils avaient dit, non? Carte indisponible, ok. Voilà, il a clignoté, j'aurais dû... J'aurais dû esquiver, mais j'ai fait le bourrin. Ah, et c'est vrai que je peux tirer de loin aussi. Et dans toutes les directions. Alors, du coup... Ah oui, j'avais pas pigé. Pourquoi on pourrait aller là-haut? Ah, voilà. Je teste un peu la partie plateforme. On peut pas jouer à la croix, hein. C'est vraiment que au joystick. Ok.
plutôt sympa les piquets où on peut s'accrocher. Ah, j'ai voulu vraiment faire une parade. Et le gars il tire des flèches là à travers le plancher. C'est pas un enfoiré ça. On est bon au niveau du son, tout ça, tout va bien. Ah, l'enfoiré cocktail Molotov. Ah, c'est pas mal, glissade et je tape. Tiens, un coup de... dans le derrière. Ah, c'était beau ça. Comment je vais monter par là? Ok. ZR pour se déplacer dans les airs. Ah oui! Ah, excellent! Allez, encore un petit peu de texte. Depuis les plaines du phare jusqu'à la vallée du Nil, l'ombre protectrice de son vol majestueux tempère, la chaleur prodiguée par Mitra. Les épis de blé, d'orge, d'égilope et d'engrains bondissent sans s'assécher. Les moissons sont prospères et nourrissent le peuple, tandis que ses ailes sillonneront le ciel de Perse, le bonheur et la prospérité régneront. Et ça parlait toujours de Simorgh, la protection de Simorgh. Donc là, on a interagi avec l'arbre, c'est un checkpoint peut-être. Amulette, ok. Il serait précisément quand la quatrième attaque frappe l'ennemi. Ok. Donc là, on choisit une amulette. On a droit à 2 amulettes, 3 amulettes, je comprends pas trop. R, éclat. On va prendre la première pour voir. Ah, c'est le nombre de places que ça prend. Restaure modérément la santé après une parade réussie, ça c'est pas trop ma cam. Convertis une petite partie des dégâts encaissés en progression sur la jauge d'Atra. Allez. Et là, Atra lance une puissante attaque croisée. Vous projette une puissante vague. La fin du mouvement peut être interrompue. Je comprends pas trop niveau 1, niveau 2. Alors équiper ZL plus X. C'est écrit. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux ici pour une enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. Je connais cette citadelle mieux que personne. J'en connais chaque recoin. Je peux me faufiler là où personne d'autre ne va. J'ai déjà parlé et discuté avec chaque créature. Et je connais tous les arbres ici. Comme celui-là? Ils sont tous comme ça? Ceux-là sont spéciaux. C'est des arbres wak-wak. Leur attrait est absolument pur. Il suffit de se mettre sous leur frondaison pour restaurer son énergie. On trouve des arbres wak-wak un peu partout au Mont Kaf. Dis-moi, tu as l'air de savoir tout ce qui se passe ici. Nous sommes à la recherche de soldats comme nous. Notre prince est mené par Anaï, un général. Est-ce que ça te dit quelque chose? Un prince? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prince par ici. Je n'ai vu que toi. En tout cas, si tu cherches un de tes amis au Mont Kaf, alors il te faut un œil du vagabond. C'est quoi? Un objet très rare et très ancien. Tiens, pour toi. Sympa la petite. Œil du vagabond, cet œil de verre magique permet de cartographier tout le Mont Kaf. Vas-y, essaie. D'accord, donc là on voit tout ce qu'on a fait. Metroidvania toujours et encore. Ok. Tiens, je t'ai pas montré comment te rappeler de certains lieux où tu vas passer.
fragments de mémoire. Augmente le nombre de fragments de mémoire. N'oubliez pas de capturer régulièrement des images de l'environnement pour les ajouter à la carte et y revenir plus tard. Le Mont Caf regorge de passages et trésors inaccessibles auxquels vous aurez accès quand vous aurez trouvé de nouvelles capacités. Il est important de mémoriser tous ces lieux. Utilisez les fragments de mémoire pour capturer une image de l'environnement qui sera automatiquement enregistrée sur votre carte. N'oubliez pas de capturer régulièrement des images de l'environnement pour les ajouter à la carte et revenir plus tard. Alors, vers le bas pour capturer une image. Ah ouais, d'accord, ils sont comme ça. Ah, c'est pas mal. Hein. Nico Danger 49. Bonjour Kabuki, bonjour les gens. Si on ne s'est pas vu depuis la dernière. Eh ben oui, bonne année, bonne santé, bien sûr. Merci beaucoup, petite. Je connais même pas ton nom. J'espère que tu vas bien, Nico. On se teste la démo de Prince of Persia. Est dispo sur tous les supports. Je m'appelle Fariba. Et toi ? Depuis hier, et le jeu sort jeudi prochain. Sargon, je suis un guerrier. Un immortel. Et on est sur Nintendo Switch. Rien que ça. Alors, Sargon, c'est sûr qu'on va se recroiser au Mont Caf. Je partagerai mes découvertes avec toi si tu veux. Mais en échange, tu me donneras des cristaux de temps. Des cristaux de temps. Bienvenue au Mont Caf. Ah, déjà il y a un petit trésor là. Passion pour l'avoir. Non, on peut pas sauter. Ah, c'est pas mal ce petit mouvement là. J'avance et je saute vers l'arrière. Je peux pas sauter sur le mur. Bon, tant pis. Ouais, il est très fluide. Hein. Très fluide, maniable. Là, j'ai déclenché un pouvoir que j'ai eu tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Donc, c'est ZL et X. Là, t'as de l'esquive, t'as de la parade. Donc, il faut réfléchir un petit peu en combat, faut pas être trop bourrin. Et c'est un petit peu en Metroidvania. Pour ceux qui aiment le terme. Je peux pas le choper ça? Ah, j'ai pris une potion. Bon, ok, c'est bizarre. Ah, je me doutais qu'il y avait une feinte. C'est bizarre ça, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, peut-être qu'on peut pas, on n'a pas ce qu'il faut, ou on a assez de flèches peut-être. Ah oui, c'est ça. En fait, les flèches, j'avais pas vu, mais elles sont comptées. Salut Gunther Strike, comment il va? Oula, ça pue là, non? Ouais, ça pue. On a quand même le temps de passer. Alors je venais de là, ouais, donc là je peux peut-être sauter, hop, tac. Récupère les cadeaux, bah on venait d'ici. Hein. Alors. Ok. Hey, salut Gosslugi, comment il va? On se fait la démo de Prince of Persia sur Switch. Le jeu sort jeudi prochain. Oula, c'est quoi ça? Il fait froid? Petit glitch. Allez hop. Ah, j'ai essayé de faire une parade, mais... Ah, c'était l'occasion de l'avoir dans le dos là. Hop. Hop là.
Donc on va ici prendre les cadeaux et après on remonte sur le pont, j'imagine. Ah l'enfoiré! Ah, il a pris cher. Bah écoute, ça va bien, gosse, c'est toi? Bonne année, si on se l'est pas dit. Je me souviens plus, on a encore un petit peu le temps pour le dire. Bon, là, c'est bloqué pour la démo, hein. Ouais, parce qu'ils veulent pas révéler beaucoup d'histoires dans la démo. Donc, c'est vraiment une démo gameplay. Mais de ce que j'ai compris, il y en a pour 2 heures, hein. Ah. Oulalalala. C'est beau, ça. Ouais, bonne année, bonne santé. Et réussite dans les projets. On est sur Switch, hein. Je vous le rappelle. Ah oui, on peut prendre des photos pour que ça aille sur la map. Ah, j'ai pris une photo, là. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. Bon, il commence à me doucher là. Voilà. Et après, c'est par où du coup? Par là. Et après, par là. Hop. C'est agréable hein, de sauter sur les murs et tout. C'est super maniable. Ah, j'ai vu un truc là. Ah. Maintenir X pour viser le chakra. Ah oui, c'est vrai que j'ai un arc. Putain, mais on ne sert jamais en plus. Ok. Tiens. Les volants, c'est des flèches qu'il faut leur donner. Oh, parade, parade, parade. Oula, oula, là, là, le cocktail Molotov, là. J'ai l'impression qu'il y avait un truc là-bas, de toute façon je peux pas passer à gauche. Ah, un petit coffre. Qu'est-ce que c'est que ça? Apparence d'immortel édition. Ah bah les enfoirés! En fait, ils te donnent les équipements de luxe que tu pourras avoir si tu t'achètes la version Deluxe à 60 balles. Ils te le donnent dans la démo. Pour te donner envie, en fait. C'est vrai qu'on n'était pas allé dans le menu encore. Alors, tac, potion de soin, amulette, éclat, système. Où est-ce que je me change? Où est-ce que je me suis changé automatiquement? Je sais pas. Personnage. Ouais. Moins, c'est la carte. Donc là, vous voyez, j'ai pris une photo tout à l'heure. Là aussi. Et je crois que du coup, on peut, du moment qu'on a pris une photo, on peut s'y re-téléporter ou un truc comme ça. Salut Kiminodou, comment ça va? Si je fais plus, du coup, apparence X. Apparence immortelle édition Deluxe. Voilà. Ah oui! Un peu plus près du corps, la tenue, du coup. Ah bah du coup, ouais, je t'avais pas... C'est arrivé après ton texte, Kimi, mais c'est bon, j'ai trouvé. Ok, donc là, c'est quoi? Où est-ce qu'on va aller, là? Ah oui, j'ai vu là-haut. J'ai vu. Ah, j'ai essayé de piffer, mais bon. Oh, faut être un peu plus haut. La blague. Est-ce qu'on peut le faire en sautant? Non. Comment feriez-vous? Là, on le voit carrément pas.
Ah, bah non. J'allais dire, on va là-haut, mais... Bah, pour l'instant, ouais, il est bien. Après ça, c'est un jeu Ubisoft. Hein. Je sais pas comment te dire, Kimi. C'est... Je sais pas, l'ambiance, c'est pas trop ma cam. Mais sinon, il est bien foutu, hein. Y a rien à dire. Bon. Bah, tant pis, on va taper, hein. Non, il est franchement bien maniable, il est en français pour ceux qui kiffent. Il y a pas mal de dialogues, un petit peu beaucoup verbeux, hein. Bon, ça c'est du bi. Et à voir en fait. Ça s'annonce plutôt bien. Ah, on va remplir notre carquois. Ok, bah c'était par là en fait, hein. Les combats ont l'air intelligents, dans le sens où il faut parer, esquiver, tout ça. Pas faire trop le bourrin. Ah. Ouais, ouais, allez-y, essayez. Je crois que c'est le mieux à faire. Hein. Là, je vous montre. On découvre ensemble, c'est cool. Mais vu qu'il y a la démo, c'est gratuit. Faut pas se priver. Ok, on va lire. Interagir, d'accord. Oh, un petit ascenseur. Est-ce qu'on venait de là? Ouais. On venait de là. Allez, vers le haut, la haute citadelle. Ça fait quoi? Allez, 40 minutes que je joue, j'ai pas vu passer. Hein. Ça, c'est bon signe en général. Et puis, ils te font pas commencer au début du jeu. Il te montre vraiment des parties du gameplay. Donc du coup, c'est pas un jeu où tu vas passer du temps, garder la sauvegarde et pouvoir continuer quand tu achètes le jeu. Par contre, de ce que j'ai lu à droite à gauche, il y a à peu près 2 heures de contenu. Donc c'est plutôt pas mal pour se rendre compte du truc. Bah, ça va être la petite glissade. Hein. Ninja! Ah, ok, ça commence. C'est pas mal, hein. J'aime bien le petit côté Indiana Jones, moi, de Prince of Persia. C'est ce qui me faisait triper quand j'étais petit. Il y a la manette qui vibre en plus quand les trucs se balancent. Ça met dans l'ambiance. Oh, je voulais lui faire un super coup, il m'a démonté. Par contre, ouais, le jeu est sans pitié. Hein. Game over. Du coup, on recommence de l'arbre. Oh, c'est moche, ça. Est-ce qu'on peut interagir? Est-ce qu'on est en mode roguelite ou pas? Non, on a déjà nos amulettes. Ok. Ça m'embête ce coffre là-haut, mais bon. Ah, il faut recommencer, hein. Ah ouais. Ouais, je le sentais pas, là. J'étais moins chaud que quand je suis arrivé là tout à l'heure. Allez, c'est parti, on se concentre. Ah ça, ça fait mal, hein.
Ah, c'est pas mal ça quand on charge. On charge l'arc. Ok, il va falloir péter le bouclier comme ça. J'y compris. Ah, il y a l'enfoiré dans le dos là. Du coup, je sais plus par où c'était. Non, c'était pas par là. C'est par là, je crois. Ah, peut-être pas, non. Ok. Je sais pas s'ils nous remettent en place les mécanismes. Il faut tous retaper. On va voir. Ah ouais, c'est ça la feinte en fait. Ah mais je suis revenu là, bah oui, c'est vrai. Non, ils me les remettent là, c'est pas cool hein. Il y a le pont là-haut. Et il abuse de celui d'en haut là avec sa lance. C'est malin parce que si tu charges de loin, il peut quand même te fracasser avec sa lance. Faut pas être trop près, trop loin. J'ai pris ma dernière potion. Du coup, ça c'est resté. J'ai l'impression que ça, en fait, c'est un décor qu'on a fait apparaître tout à l'heure, Kimi, en tapant dans des bouboules. Faudra aller voir la VOD pour mieux comprendre. Alors, j'étais arrivé là, il y avait l'histoire de la bouboule, et après, je sais plus où j'étais allé. Et la bouboule, j'arrivais pas à la viser. Où est-ce qu'elle est par rapport à la statue? Elle est au-dessus de l'œil. Non, c'est trop court. Du coup, j'étais passé par là, non? Il me semble, ouais. Ouais, c'est ça. On récupère des flèches. Il y avait un petit passage en haut, si je dis pas de conneries. Non, il y a l'ascenseur. Il faut déclencher. Et d'ailleurs, j'étais allé voir ici ou pas. Le refuge, nouveau lieu découvert. Petite photo, dans le doute. Ah, il y a peut-être un checkpoint ici ou un truc comme ça. Hein. Nouveau lieu découvert, forge de Kaheva. Pas mal, hein, pas mal. Tiens, immortel, ce que tu cherches est hors de ta portée, hors de tout contrôle. À qui prêtes-tu allégeance? Ah ah, donc ça c'est la forgeronne. Tu me connais?
Je me penche parfois sur le monde des humains quand ça me tente. Je suis Sargon. Je sers la Perse avec les immortels. Immortels, tu dis ? Intéressant. Eh bien, immortel, tu te tiens devant une véritable immortelle. Ok, Kimi, bon lurk et merci d'être passé. Kaeva, déesse et forgeronne des dieux, c'est moi qui ai forgé leurs plus grandes armes. Il t'arrive de forger des armes pour les mortels ? De temps en temps, j'aide des mortels. L'épée du roi Darius était l'une de mes plus belles créations. Mais très peu de mortels en sont dignes. Je ne savais pas qu'on pouvait croiser des dieux et des déesses au Mont Caf. C'était le cas avant. La malédiction a tout changé. Certains d'entre nous ont disparu dans d'autres chemins du destin. Moi, je suis resté dans celui-là. Je crois que j'ai eu de la chance. Peut-être que la chaleur de ma forge m'a protégé des soubresauts du temps. Plus rien n'est comme avant. Est-ce que tu accepterais de forger à nouveau pour un mortel ? Pour quelques cristaux de temps, on devrait pouvoir s'entendre. Comprends-moi bien. Sache qu'à l'échelle du temps, même altérée, la vie d'un mortel est insignifiante. Ok. Bienvenue. Souhaites-tu que je forge pour toi ? Acheter. Alors on a combien nous ? 276, ça c'est 150. Ça c'est quoi ? Réduit faiblement la puissance des attaques de mêlée adverse ou attire les cristaux du temps à distance. Augmente légèrement les dégâts de flèche. Bon bah allez. De toute façon on a 250 boules à dépenser. Mais il y a des améliorations. Arc de Ménolias, petite augmentation des dégâts de l'arc. Augmente de 5 le nombre de flèches. Ah, j'hésite. Augmente les dégâts des flèches et là, augmente les dégâts de l'arc et du chakram. On va plutôt prendre ça du coup. Pourquoi je peux pas ? Ah oui, il me manque une pierre à la con là-haut là. Ok, bah tant pis alors. Équiper les amulettes à un arbre wak wak. Ah, en plus, il faut... D'accord. Ouais, donc c'est une amulette qu'il faut équiper à l'arbre. Ok, donc ça, c'est des amulettes. J'ai plus de thunes. Alors, normalement, je peux retourner à l'arbre. Mais est-ce que je peux retourner, par exemple, ici ? Non. Ou alors il y a un arbre pas loin, je sais pas, on va voir. Ça serait bien qu'on puisse s'équiper. Ah, sympa ce petit crochet là. Hop là. Ouais, là il y a rien bien sûr. Ça sent le vilain pas beau ici, non ? Ah, il y a une petite pierre là-haut. C'est ça qu'il me faut. Et je peux faire ça. Oui, c'est un boomerang, ça. Non, il veut pas me le choper, l'enfoiré. Ah, c'est dommage. Peut-être plus tard, je sais pas. Peut-être avec une amulette. Sinon, je vois pas. Ah, c'est qui ça ? Qu'est-ce qui t'amène ici, voyageur ? Mes frères d'armes et moi sommes à la poursuite d'un traître. À
Alors, toi et les autres êtes également piégés ici. Le mont Kaf amène son lot d'aventuriers. Beaucoup se perdent dans la malédiction du temps. Prends garde, guerrier. La mort et la misère rôdent dans la citadelle. J'ai déjà regardé la mort en face. Même le guerrier le plus déterminé doit être préparé. Prends ceci. Elle a des propriétés uniques qui peuvent t'aider. Chaque amulette est précieuse. On peut seulement en changer à un arbre wakwak. J'en ferai bon usage. Augmente faiblement la santé max. Les portions de vie ajoutées se régénèrent automatiquement aux arbres wakwak. Équipez les amulettes à un arbre wakwak. Et il est où ton arbre wakwak là? Ah voilà. Ok, on a ajouté la photo. Donc là, on va à l'arbre wakwak et on va pouvoir équiper nos amulettes. Alors, on n'a que 3 places. Du coup, comment on fait pour retirer les anciennes? Ça doit être comme ça. Voilà. Alors, bénédiction, c'est ce qu'on vient d'avoir. Et ça, c'est ce qu'on a acheté. Il doit nous rester une place. Alors, convertis une petite partie des dégâts encaissés en progression de la jauge ou restaure modérément la santé. Après une parade. Je crois que j'ai... Ah si, j'ai encore de la place. Ah oui, j'ai 3 places encore. Alors, augmente les dégâts en attaque de mêlée réalisée dans les airs. Déclenche la zone de dégâts. Ou alors, je mets un truc à 3. Tire des flèches dans un angle large. Ah, c'est pas mal ça. Et Atra, j'ai pas compris encore. Je pense que c'est les coups spéciaux, niveau 2. Ah oui, alors attendez. Voilà, ça tire 3 flèches maintenant. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, par contre, ah oui, ça gaspille 2 flèches à chaque fois. Donc là, j'ai bien claqué mon stock. Oh, j'ai fait le con. Ah non, ça va. Tiens. Ah, ça lui fait rien en fait. Hein. Ah, c'est bien, il nous redonne des flèches. Ok, est-ce que je peux aller là-dessous? Waouh, ça va vite ça. Ah ouais, il blague pas. Ouais, j'ai tenté. Ces phases là sont vraiment pas mal. Hein. Comment je vais faire là? Pas trop se poser de questions. Forêt hyrcanienne, nouveau lieu découvert. On aurait dit un trampoline. Oula! Ah, il est chaud lui.
Du coup, Gunther, c'est toujours là. Ça te tente plus un truc comme ça que qu'un Metroid, du coup ? Metroid Dread ? Avec qu'on pouvait péter les herbes. T'as dit quoi, excuse ? Oui, pardon de te réveiller. Je disais, ça te tente plus ça qu'un Metroid Dread, du coup ? Voyons. C'est Hatsune-Niki, bienvenue sur la chaîne des Kabuki. N'oublie pas d'être mignon et de sonore. Ah oui, on peut passer. Hey, Augustine, comment il va ? Ah, il fallait que je passe vite, apparemment. Ah, un arbre. Wak wak. Oui, complet, juste pour l'univers moins dark. Ok. Est-ce qu'on a droit à plus d'amulettes ? Je crois pas. Hein. On a un troisième arbre. Non, on a plus de place. Ah, tu t'es couché à 2h. Ça va être dur la journée. Ça taffe aujourd'hui ? Et comment va Augustine ? J'ai l'impression que ça bug les points d'exclamation. Ah, je crois que j'ai découvert un petit mur caché. Je sais plus qui c'est qui disait que dans Metroid, le premier, il y avait des murs cachés, mais tu pouvais pas le voir parce qu'ils étaient en mur normal. Ça m'y fait un peu penser, ça. Hein. C'était un coup de bol de tomber dessus. Oh, ça fait peur, ça. Est-ce qu'on va être bien récompensé ? Moi, le jeu me sauce. Ah. Bah, tu peux prendre la démo, hein. Il y a 2 heures de démo. Par contre, c'est pas le jeu que tu retrouveras. Tu ne seras pas en mode sauvegarde. Je reprends le jeu là où j'en étais. Parce que c'est des morceaux du jeu pour faire découvrir le gameplay. Hop là, hop là, hop là. Ah, on est revenu ici. Ok. Et donc. Ah oui, mais c'est parce que j'avais trouvé un petit passage, non? C'est quoi le vrai chemin, du coup? Ça doit être par là-bas. Mais non, on vient de là, je crois. Là, on a fait tout ça. Non, il faut retourner là-bas, je pense. M'en fiche. Oh, t'es chaud. Il est chaud, l'Augustin, aujourd'hui. Il faut repasser par là. Ok, c'est par là. Alors. Oula, il m'a mis la pression, lui. Donc les champignons, là, ils restent pas longtemps, hein. Aïe aïe aïe, c'est bon. Il y a un petit tonneau là. Voilà. Donc il sort jeudi, Augustin, le jeu. Si t'es pas au courant. Il y a un feu là, mais on peut rien faire. Hein. Planqué dans les herbes, enfoiré là. Vaut mieux faire le boomerang hein, pour. Ouais, ça tourne super bien. Hein. Non, franchement, regarde, bah, on est sur Switch là. Hein.
C'est plutôt fluide, j'ai pas vu de ralentissement, c'est maniable. Franchement bien, je me demande ce que ça donne sur des machines plus puissantes du coup. Ils nous disent ça maintenant quoi. Alors que ça fait une heure qu'on le fait, le coup du boomant. Waouh. Ah ouais d'accord, ils sont comme ça. Et on peut peut-être pas peut-être faire un rebond. Alors comment on va faire? On va se grouiller en fait hein. Eh ben, il y a de la plateforme les amis. Et voilà, et voilà. Alors. Non, c'est pas comme ça. Ah, ça y est, ça commence à me gonfler. Foirer mon saut. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais heureusement il redonne des flèches à chaque fois. Ah, je suis tellement bien arrivé tout à l'heure que je me mets la pression tout seul là. Voilà. Là, c'est obligé de faire la flèche, c'est plus rapide que de charger le boomerang. Et là, on se foire pas, c'est bon. 8h32, va falloir arrêter, les amis. C'est moche. Le Kabuki sur Switch, ce n'est plus un Mirage N. Je ne comprends rien. Que dis-tu, Augustin ? Ok, donc ça c'est un nouveau checkpoint. Et vous allez voir, c'est du Ubisoft, c'est bien verbeux, regardez. Plus haut, Jaanda réside pour l'éternité. Corps de lion, visage d'humain et queue de scorpion, Jaanda dévore les hommes depuis toujours. Ceux qui s'aventuraient dans la forêt hyrcanienne et le croisaient disparaissaient à jamais. Pour assouvir son appétit, Jaanda franchit un jour les portes de la citadelle et y sema la terreur pendant 3 jours. 500 guerriers furent chargés de l'affronter. Aucun n'en réchappa. Darius était encore un jeune roi. Et ça continue. Armé de l'épée royale que lui avait forgée Kaheva, donc la forgeronne qu'on a vue tout à l'heure, il alla défier Jaanda. 100 fois il parvint à éviter ses dards empoisonnés, 100 fois il contra ses charges. Darius invoqua Attache, le feu sacré. Jaanda n'avait jamais rencontré une telle résistance de la part d'un mortel. Il fut vaincu. Darius lui laissa la vie sauve, mais l'enferma dans la haute citadelle. Alors commença la légende de Darius, roi des rois, dont la sagesse et le courage allaient faire rayonner la Perse dans tout le monde connu. Allez, vous me faites un résumé, vous avez 5 minutes, les amis. Augustin, le Kabuki sur ce dans ça, je l'avais lu. On dirait moi qui ai écrit une chanson avec une IA. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu ça. Ouais. Il n'y a pas que toi, Augustin. Je te ciblais pas la dernière fois. Hein. Sache-le. Peut-être c'est fait avec une IA. C'est pas con, c'est pas con. Non, on va avoir des jeux comme ça qui parlent IA. Ça va être un peu naze. Hein. Si on en arrive là. Ah, j'ai la manette qui vibre, là. On va quand même se regarder le boss. Comme ça, on fait une petite présentation complète. Ou presque.
Parce que on va pas arriver au bout de la démo dans cette vidéo. Il y a eu un tout petit lag. Scorpion Man. Misérable mortel. Ah merde, c'est Jahandar. Ah, c'est le truc que le roi machin là, il a dû esquiver 100 fois et tout là. Ta vie s'arrête ici. Ah, il est vénère. Ah, les menaces. Mais c'est quoi? Ah, d'accord. J'ai rien fait, les amis. Ils avaient dit 2 heures la démo. Ils se foutent de la gueule du monde ou quoi, la presse? Voilà. Bon, on a fini la démo. C'est parfait. C'est parfait. Édition standard, édition de luxe. Toujours là pour vendre, évidemment. Magnifique. 8h36, on finit la démo. Retournez au menu principal pour la musique, quand même. La musique est cool. On va l'entendre là? Ouais. Ah, j'ai speedrun la démo. Ouais, t'as raison, Gunther. Ici, on speedrun les choses. Merci à tous ceux qui étaient là. Beaucoup de leur cœur, beaucoup de curieux, j'imagine. Merci à Marie qui a follow la chaîne plus tôt. Et puis, merci à tous les habitués qui étaient là aussi. Et puis, pour papoter, Gunther, Kimi. On a eu Nico Danger. Je sais que Rayleigh était là. Docteur Sigmation qui arrive à la fin. Follower la Mika Bouquet. Oui, followez-moi. Comme ça, on aura encore plus de followers. Et du coup, après, on pourra montrer patte blanche aux éditeurs pour avoir encore plus de jeux. Voilà. On fait des bisous et des checks. Bisous, check. On prépare Hip Hop Guac ou Syndrome? Non, Syndrome, allez. On est sur une matinale. Ça va être le Syndrome Kabuki. En mode chill. J'ai pas trop papoté, heureusement, tu m'as sorti du coma. Ah ouais, avec ma petite question, là. On se retrouve à 12h30 pour du Genshin Impact. Voilà. Ça, c'est dit. Ça sera sur PC, évidemment. Et puis, ce week-end, je pense qu'on poussera le FF14, là, parce que j'avais fait juste une petite heure. Et puis, j'ai besoin de vous, là. Il faut qu'il y ait des gens qui me rejoignent. Il faut que vous me donniez des conseils, etc. Je suis encore un peu... Je me sens comme un macro dans une boîte de sardines, vous voyez. Un peu... compressé comme ça que je joue à FF14 parce que j'ai encore un peu je tâtonne, voilà, comme on dit, tâtonne un peu et j'aimerais vraiment voilà, voir ce que donne le jeu. En tout cas, ça sera pour ce week-end. D'ici là, on se retrouve à 12h30 pour la pause déj sur Genshin Impact. Ça sera du cap service. Vous faites une bonne matinée. Je lance le syndrome Kabuki et je regarde en parallèle chez qui on raid. Restez, ça vous fait des points de chaîne le raid pour après me coller des malus et tout ça, comme vous savez. Je crois que j'ai assez parlé. J'envoie le syndrome Kabuki. Bye bye, à tout à l'heure. Et bonne journée. Pour ceux que je reverrai pas. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki décrit par Noreo Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabu, le fameux Kabuki au Japon. Kabuki au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme ? Le fameux Kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. Au Japon. Mon père, lui, reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Le fameux Kabuki. Avant de vous l'expliquer, quel âge donneriez-vous à ce jeune homme ? Le fameux Kabuki.
c'est le nombre de symptômes que comporte le trouble qui est impressionnant. Étrange en soi. En effet, les personnes atteintes du syndrome de Kabuki ont... Quand on commence à perdre, le niveau de vie commence à baisser, alors ça, l'angoisse monte un peu plus, alors il faut toujours à chaque fois tuer un autre ennemi pour essayer d'avoir un point de vie. Il y a toujours ce même truc qui se répète, parce que quand on arrive à un point de vie, on va essayer, on va mourir, et il faut continuer, il faut aller plus vite, il faut aller... Impressionnant. C'est assez angoissant, oui. Angoissant. C'est assez angoissant, oui. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. C'est assez angoissant, oui. Au Japon. Le fameux Kabuki. Impressionnant. Il aime beaucoup jouer ces jeux vidéo, et je lui dis avec modération. Comme tout, parce que sinon ça prend des proportions après qui dépassent un petit peu l'entendement. Le fameux Kabuki. Au Japon. Japonais. Étrange en soi. Le fameux Kabuki. Si certains adultes s'inquiètent autant de ce phénomène, ne serait-ce pas en réalité de peur d'être surpassé? Au Japon.